l'origine des Jeux, l'art et le sport sont toujours étroitement liés. Ils font partie de l'ADN de l'olympisme. Donc, il est toujours extrêmement intéressant de s'adresser à des artistes pour bien comprendre la notion de corps et d'esprit qui se marient. C'est important pour les visiteurs qui avaient la chance d'être à Tokyo, mais aussi pour ceux qui ont découvert le programme en ligne, c'est que comme il n'était pas possible d'aller dans les stades, l'Olympic Agora a permis à un certain nombre de personnes d'être proches du mouvement olympique, proches des valeurs, proches des jeux.それは何かっていうと、アスリートの強い意志っていうのはもちろんですけれども、それを応援する人々の思いですとか、あと観客の存在ですとか、それがそういうものに当たると思ってるんですね。Je trouvais que c'était intéressant de représenter une personne par continent ou une personne par anneau olympique, et que les personnes qui sont les vrais spectateurs qui vont expérimenter cette œuvre puissent venir ajouter leur propre anneau ou leur propre couleur ou leur propre vie, leur propre mémoire à cette pièce. Ce qui nous intéresse dans cette démarche, c'est de donner la parole à des artistes pour qu'ils interprètent à leur façon les messages olympiques. Les artistes sont aussi nos meilleurs ambassadeurs. Ils nous permettent de toucher des gens qui peut-être ne sont pas intéressés prioritairement par le sport. Nous avons aussi pu travailler avec notre partenaire de l'Olympic Museum Network, qui est le Japan Olympic Museum, donc le musée olympique de Tokyo, à qui nous allons confier la plus grande partie de la collection des œuvres des Olympiens artistes. Et qui de mieux pour incarner ce dialogue entre le sport et l'art que les Olympiens qui sont devenus artistes. Dans le cadre des programmes artistiques de l'Olympic Agora, il nous a semblé extrêmement intéressant d'avoir finalement un programme d'héritage. Ces œuvres vont continuer à atteindre les visiteurs et à démontrer à quel point il y a un dialogue entre le sport et l'art.でその時におそらく実際にオリンピックで見たスポーツのシーンですとか